Ouais, j'étais là. Cinq ans, notre dernier passage au Pérou, et là c'est vraiment l'envie de renouveler avec les éditions 2012-2013. On avait fait de très beaux parcours péruviens, là on va partir de Lima, ça sera le 6 janvier, pour 6 jours de course au Pérou, dans cette grande zone de sable et de désert qu'on trouve coincée entre la cordillère et le Pacifique. Ensuite ça sera l'ascension sur l'altiplano bolivien avec une journée de repos à La Paz, altiplano qu'on va traverser du nord au sud pour rejoindre l'Argentine, et ensuite ça sera ce grand nord-ouest argentin, entre Rouroui et Cordoba, qu'on va descendre en longeant la cordillère des Andes. Et là, c'est de nouveau des territoires exceptionnels de beauté, très chauds, très torrides en termes d'environnement climatique. Et donc ce triptyque andin entre le Pérou, la Bolivie et l'Argentine va nous permettre de réaliser un parcours sur 14 jours de compétition. C'est deux jours de plus que le standard normal, donc un format sportif plus intense, plus dur, puisqu'on va vraiment rencontrer des territoires et des géographies très très belles, mais également très difficiles.